Comme vous pouvez voir, il y a un peu de neige. Wow. Il a neigé à Paris. Ça n'a pas tenu beaucoup, mais heureusement, hein, parce que j'ai pas de voiture, moi. Par contre, ça a tenu sur l'herbe. Hein. Wow, c'est beau. Le Parigo, là, qui s'extasie devant trois flocons de neige. Ouais, d'accord. Je ne sais pas si ça se voit à la caméra, mais il y a de la glace au sol. Et je peux vous dire que là, je fais pas le malin. Donc déjà, je freine pas. Je garde une vitesse constante. Oh putain de putain. Oh putain de putain. Je ne fais pas le malin du tout. J'essaye d'être le plus souple possible. Voilà, ici, ça va mieux. Ok. Mais pourquoi il se décale pas, lui? C'est vraiment un connard. T'es censé laisser un mètre à côté des vélos. T'as largement la place. Tu conduis une toute petite voiture, mais non. Tu te colles sur le vélo, quoi. Très intéressant, ça. Voici la porte de Clignancourt à 2h du matin. Sans déconner. C'est rush à voir, les gars. Oh putain. En plus, je suis avec ma femme derrière. Olé. Olé, olé, olé. Il fait froid là, ça y est là. La petite Street Triple RS 1200, ça booste ça. Ouais. Le petit clignot, ça pourrait être utile, mais je m'en doutais. Je l'ai vu venir le truc. Oh là là, sans déconner. Le papy là, mais complètement à l'ouest quoi. Il regarde pas du tout où il va, il est dans la lune. Là on est vraiment dans un enchaînement de magnifiques bâtiments espagnols. Là. Toute la rue. C'est incroyable. Allez, on est à 12 000 du mètre carré là dans le quartier. On est entre Pereire et Monceau. Ouais, 11, 12 minimum. Hein. Après, je vous parle pas de si vous voulez un dernier étage avec ascenseur. J'en avais parlé déjà dans ma chaîne, mais en moyenne, pour un rez-de-chaussée, on est à moins 15% en dessous du prix du marché. Et quand vous voulez un cinquième étage, balcon filant avec, l'ascenseur, vous êtes à plus de 20% du prix du mètre carré environ. Je crois qu'il y a quelqu'un qui traverse à l'arrache, ouais. On est au top là. Mais c'est du n'importe quoi. Ok. Je me suis fait un petit peu surprendre. Oui, il y a le Disley qui me disait c'est 30 sur le boulevard Saint-Germain. Je suis d'accord avec lui, effectivement, il a raison. Mais c'est parce qu'il y a des travaux, les gars. C'est parce qu'il y a des travaux, ça va être retiré, c'est pas nous. Rappelez-vous, hein, la majorité des boulevards sont quand même restés à 50. Hein. Par contre, bon, bah, 99% des petites rues sont clairement passées à 30. Ça, je lui accorde complètement. Et d'ailleurs, on a des panneaux sur les côtés, par exemple, voilà, avec écrit zone 30. Donc à partir du moment où on sort du boulevard, on doit être à 30. Et puis bah, quand on est sur les boulevards ou les maréchaux, etc., bah, la vitesse augmente, c'est logique. On va pas faire du 30 km/h pour tout le monde par principe. À quoi ça sert d'avoir fait des boulevards si c'est pour rouler à 30 sur des boulevards? Inutile. Un petit peu de bon sens. Sans forcément abuser, hein. Mais bon, un petit peu de bon sens dans la nuance. Ce que les gens n'aiment pas en 2023, parce que bah, c'est chiant. Les gens qui ont un peu de nuance, c'est chiant. Ce qu'on veut, c'est être pour ou contre, dans les extrêmes. C'est ça qui intéresse les gens. Ah, la petite belle, qui est très très sale, les gars. Moi, c'est l'hiver, je la nettoie pas en hiver, franchement. Il pleut tous les deux jours. Regardez cette magnifique selle. Wow. Ferrari des années 90.
Ah, ça se reconstruit bien, hein, la toiture là de Notre-Dame. Ça avance. C'est laquelle la tienne là? La GoPro 8. La 8. Ouais, elle fait le taf. Avant-hier. Ah, elle est bien? Ouais, ça va, mais rien d'exceptionnel. Bah, je sais pas ce qu'elle fait. Normalement, il y a une priorité à droite là, mais. Ouais, mais non. Et puis, je lui ai fait des grands yeux en mode tu fais quoi, frérot? C'est pour ça qu'il a, il a rigolé. Ça préfère rouler les mains dans les poches que de mettre des gants. Ah, c'est superbe ça. La logique. Bah oui, bah oui. Si t'avais des gants, t'aurais pas froid aux mains, Pélo. Il fait genre 1 degré là dehors. Quand t'es sorti ce matin, tu t'es pas dit ah merde, en vélo, je risque d'avoir froid. Ah non! Non! Et après, ça brûle les feux rouges avec les mains dans les poches. On est au top. Là, vous voyez, il n'y a pas de panneau M12, mais franchement, il pourrait en mettre, hein, vu la configuration du carrefour. Ça manque d'un petit panneau M12 ici. Les grands esprits se rencontrent. On s'est donné rendez-vous. Salut Lulu. Ça va? Ça va bien? Il y a Cyril, il arrive. Ah bon? Ouais. Tu les as rajoutés, ça c'est les nouveaux clignots? Bah c'est quand j'ai mis les rétros. Ça se voit vraiment ou pas? Ça? Ouais. Ouais, c'est top. Franchement c'est du LED, hein. Donc ça se voit hyper bien. Ah ouais, ok. Ok, ah ouais, non, ça se voit, ouais, c'est clair, ça se voit. Les Isoma les vend en tant que clignot homologué. Après, c'est comme ça, ben, les flics ils diront, t'as changé des clignots, c'est pas homologué, mais... Aujourd'hui, je passe voir un ami qui vient de passer son permis et qui va s'acheter une Kawasaki 650, la toute nouvelle, là, la Z, hein, la Z650. Et donc, on va passer le voir au concessionnaire directement. On a rendez-vous à 14h. Donc c'est parti, on va voir qu'est-ce que ça donne cette petite moto. Félicitations monsieur Monin. Merci. Vraiment c'est beau, c'est tout un packaging. Ah, ils font les choses bien à Kawa. Ah ouais, grave. Et voilà la 650. C'est une belle meule. Ouais, franchement. C'est pas mal. Alors, l'attention particulière, je dis ça pour le ducatiste. Enfin, ducatiste. Tu râleras si un jour, ben, ça, c'est un truc qu'ils font jamais. C'est quand tu nettoies les pneus. Ah, ils nettoient les pneus. Parce que normalement, la moto, elle a toujours roulé pour aller à l'atelier ou quoi, donc t'as des bandes. Ah ouais. Et les mecs, quand tu vas très loin, tu nettoies les pneus quand t'es fou, quoi. Putain, il y a des bandes bleues. Non, mais c'est bien. Ouais, faut que je laisse la chef ou pas, des fois. Je vais tout ouais. Expliquer. Non, on va passer sur. Ça vient de passer son permis, ça se met déjà sur le CSA vélo. Ah, magnifique ça. Faut le recadrer ce poteau. Pour le relou. Je suis rabat-joie. Ah ouais, il part direct en interfile le gars. Ok, ça va, franchement il maîtrise. Hein. Ça fait 3 minutes qu'il est sur la moto. Aucune peur. Alors, est-ce qu'il ose là ou pas? Ah, moi j'ai mis du temps à faire l'interfile. Hein. Je me rappelle au début quand j'ai passé mon permis, j'ai dû prendre au moins une bonne semaine pour commencer à oser faire ce qu'il fait quoi. Ouah! Non, par contre, ça c'est pas bien ça. Ah, il faut vraiment que je lui dise de regarder son angle mort. Lolo, par contre, je te vois rouler là, je peux me permettre de faire une toute petite remarque. Regarde ton angle mort hein, quand tu tournes à gauche et à droite. Faut vraiment que tu prennes l'habitude de tourner la tête, pas juste regarder sur ton. C'est vrai, parce que là, ça fait deux fois que tu. Ouais. C'est tout, sinon t'es top. Merci à toi. Bienvenue dans la famille. Avec plaisir.